amis, c'est moi, Kirvo, le lutin du Père Noël. Noël approche à grands pas, et moi et les autres lutins faisons des heures supplémentaires pour que tout soit prêt avant le grand jour. Le Père Noël veille aussi à ce que votre prochain Noël soit inoubliable. Heureusement, le Papa Noël a des centaines d'années d'expérience. Et les autres lutins faisons beaucoup pour s'assurer que tous les cadeaux de Noël seront prêts à temps. Parfois, je me demande pourquoi les enfants ont besoin d'autant de cadeaux. Fabriquer tous ces cadeaux est une mission difficile pour des petits lutins comme moi. Heureusement, de nos jours, de plus en plus d'enfants demandent des cartes cadeaux. Et celles-ci ne sont pas si dures à transporter. Le Père Noël a bien préparé ses rennes en leur donnant de délicieux lichens. Cela aide les rennes à rester en forme pour la plus importante nuit de l'année. Le Père Noël sait que j'aime beaucoup les animaux, moi aussi. C'est pourquoi je m'occupe aussi de ses rennes. Mais vu ma petite taille, je me concentre d'habitude sur les plus jeunes rennes. C'est beaucoup plus facile pour moi de les nourrir. Et même s'ils sont encore petits, un jour, certains d'entre eux seront les plus forts des rennes, qui tireront les traîneaux du Père Noël à travers le monde. Je suis si heureux de savoir que j'entraîne de futurs champions, les rennes les plus rapides du monde. J'aime aussi m'occuper des chiens du Père Noël. Mon préféré est Rico, un des chiens qui surveille les rennes du Papa Noël. Rico est un chien si gentil et il adore jouer avec tout le monde. Les amis, vous aussi vous aimez les chiens? Dites-moi, quelle est votre race de chien préférée? Wouf, wouf! Mes amis, avez-vous déjà vu des rennes? Je veux dire, de vraies rennes, de près. Personnellement, ils sont si beaux et tellement mignons, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire le nombre exact de rennes du Père Noël, car c'est un de ses secrets. Mais d'une manière générale, je peux vous dire qu'il y a environ 200 000 rennes en Laponie finlandaise. Ce qui veut dire qu'il y a plus de rennes dans la région que d'humains et de lutins réunis. Noël est pratiquement là. Récemment, j'ai fait beaucoup de biscuits de Noël. Parce qu'après la nuit de Noël, moi et les autres lutins, nous faisons une grande fête. Après avoir travaillé dur pour préparer les cadeaux de Noël, c'est l'heure pour nous de nous détendre et de nous amuser. Je suis sûre que je vais prendre au moins 3 kilos. Mais d'abord, un lutin doit faire ce qu'il est supposé faire. Nous devons nous préparer pour Noël, mes amis. En parlant de Noël, j'ai une autre mission importante. Je m'occupe personnellement de la cheminée du Père Noël. Vous savez, le Père Noël connaît bien toutes les cheminées. C'est pour ça qu'il adore passer du temps devant sa propre cheminée. Mon travail est de garder le feu du Père Noël chaud, car cela le garde de bonne humeur. Et tout comme le Père Noël, j'adore les cheminées. Le soir de Noël, après que le Père Noël soit revenu de son tour du monde, le vieil homme est souvent très fatigué. Donc, j'aime lui préparer une bonne tasse de chocolat chaud. Le Père Noël adore ça. Bon, les amis, maintenant, je dois aller m'occuper des affaires secrètes du Père Noël. Nous sommes très occupés cette partie de l'année, vous savez. Mais rappelez-vous d'être gentil. À bientôt. Au revoir, les amis. J'imagine déjà sa frimousse quand il l'ouvrira. Père Noël, Père Noël, c'est le moment. Oh, tu as raison, mon petitot. C'est bientôt l'heure de partir. Dis-moi, Kilvo, comment tu me trouves? Comme un homme qui ne connaît pas le sens du mot impossible. Ou comme une rockstar, prête à faire le tour du monde. Oui, c'est ça, petit coquin. Allons, en route, mauvaise troupe.
Père Noël a oublié des cadeaux. Père Noël, attendez. Mes lutins ont fabriqué et emballé les cadeaux. Mes reines se sont échauffées et ils piaffent. Et moi, j'ai préparé du super lichen pour qu'il file plus vite que l'éclair. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas d'être sage. Un instant. S'il vous plaît, attendez. Vous avez failli oublier ces cadeaux. Merci, Kilvo. C'est celui d'Edouard de Montélimar. Il nous a écrit en novembre une belle lettre. Mais celui-ci, tu n'as pas vu l'étiquette, mon petit. Regarde. Père Noël, ce cadeau est-il pour moi? Évidemment, mais tu ne peux pas l'ouvrir avant Noël. Noël approche. On y sera bientôt. C'est l'heure d'entreprendre ma tournée magique autour du monde. Joyeux Noël et soyez sages. À bientôt. Avant Noël. Pendant que le Père Noël est parti pour sa tournée, je vais garder le feu allumé. Et je vais aussi faire une grande tasse de chocolat chaud pour son retour. Ok, peut-être juste un petit coup d'œil. J'ai déjà envie de l'ouvrir. Kilvo et moi vous souhaitons joyeux Noël et bonne année.